Je suis sur un trait de camp où j'ai tellement dansé là-bas. J'ai tellement dansé que je suis encore fatigué. Dites-moi alors, vous voulez que je me coiffe comment? On doit faire quoi? Quand le mec est là, l'ennemi mec s'incline. La mort de quelqu'un ne vient pas de loin. C'est vrai. La mort de quelqu'un ne vient jamais de loin. Tu fais du bien à ton frère, celui qui. Vous dites que du côté de Brest, là, on fait comment? Ça se passe comment là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mettez le numéro là un peu. Vous m'appelez un peu, on cause un peu. Mettez un peu le numéro là. Qu'est-ce qu'on fait? Je fais les tresses ou je fais le tissage? Allez m'appeler les TK Rourou là, venez ici, venez ici. Allez m'appeler les sympathisants là. Vous me dites, qu'est-ce qu'on fait pour Brest? Je vous ai dit qu'il y a une voiture disponible. Pour ceux qui veulent aller, qui ont envie d'arriver aussi à Brest. Donc, vous contactez ma fille Nancy. Elle a une voiture disponible. Hein. Donc, c'est 25. Vous n'avez plus besoin de prendre le covoiturage. Hein. D'accord? Tout cela. Trois danses. 50 euros. Trois danses pour danser seulement avec moi. 50 euros. Pour danser seulement avec moi. 50 euros. Trois danses. Et tu me donnes 50 euros. Tu as trois danses uniquement pour toi. Chanson à ton choix. Maintenant. Pour prendre des photos. Des photos. J'aime trop le chiffre 50. Hein. Comme on a dit à mon fils. On a dit à mon fils Annabelle que 1, 2, 3, 4, soleil. Mais il y a des gens qui aiment nous manquer de respect ici sur la toile. Vous aimez nous manquer souvent de respect. Vraiment. On dit à mon fils 1, 2, 3, 4, soleil. Voilà. Appelez-moi. Mettez le numéro, vous m'appelez. Comme ça, on débat. Allô? Quand ça? WhatsApp, c'est vrai, ça, c'est possible parce que le WhatsApp s'est dérangé pendant 2 jours là. C'est canaille. En fait, on a dit que quoi, redémarrer ou c'est démarré. C'est Canaille qui a raillé ça tout à l'heure. C'est possible qu'on ait pu me chercher et qu'on n'a pas pu m'avoir. Oui. Ok, ben je vais arranger ça. Ben là, je suis en direct. Rappelle-moi alors dans une heure. D'accord, dès que tu finis, appelle-moi. Dès que tu finis, appelle-moi. Excuse-moi, je vais aller regarder ton message. C'est moi. À tout à l'heure. J'ai dit. Appelez-moi, on discute. Appelez. Mettez le numéro, non. Merci pour les cœurs. Oh, j'adore ça. Le goût de ça. Le numéro, le téléphone a dérangé. Ça a dérangé là pendant 2 jours là. Et comme je n'étais pas aussi là, ouais, non. Donc du coup, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de me joindre. Et
J'ai demandé à Canaël de... J'ai dit, les gens, si, vous dites que je vais porter quoi pour Brest? Mais on peut mettre un jean, hein? Un jean avec un bon pantalon, on enfile. Ou bien, c'est le restaurant, non? Elle m'a posé Christian et Monaco ici. On fait quoi sur la tête? C'est d'abord ça. Attendez, moi je vais partager. Comme vous ne voulez pas partager là. J'ai dit que photo. Pour faire la photo, comme vous avez dit que. J'ai dit que les enfants, si vous savez si on nous manque de respect, vous là. Vous savez si on nous manque de respect. Allô? Oui. Bonjour, je mets le haut-parleur. Chinoise. La coupe chinoise, longue ou courte? Après, je sais pas, il y a une qui a dit, beaucoup ont dit tissage, tissage. Et après, il y a une qui a dit tissage, coupe chinoise. Après, moi, je trouve que la coupe chinoise te va très, très bien aussi. C'est vrai? Oui. D'accord. Ça te va bien. Ok. On dit que je dois faire la coupe chinoise. Donc, vous voulez pas, le, vous voulez pas les nattes, les tresses là? Non, le tissage, non. Oui. Donc, vous préférez le tissage, coupe chinoise? Ok, maintenant il faut qu'ils disent alors long ou court. Attends, c'est pour ça, il faut alors les dire de parler là comme ça. Moi, c'est pour ça. Dites alors, vous voulez quoi? Long ou court, la coupe chinoise? C'est ça qu'on appelle la franche, non? La franche devant. Oui, c'est ça. Vous voulez la franche devant? Oui. Comme tu fais souvent là, non? En noir là. Ah, d'accord. Mais comme j'ai noirci là alors. Là. Comme j'ai noirci là. Ça va être joli encore. Tu es pas noir, hein. Tu es chocolat. Tu es belle comme ça. Ah, merci. Tu es belle. Mets l'eau par l'œil. Il faut qu'il lave une personne là. Lave qui tu veux. Tu as l'antenne à toi. Fais ce que tu veux. Mets l'eau par l'œil. Il y a l'eau par l'œil. Je dois laver ma soeur Yaoundé là. Lave comme tu veux, qui tu veux. Je dois laver ma foufou. Je vais laver ma foufou. Merci Longo, merci. Bisous. Bisous ma belle sœur. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. On va d'abord à Brest. À mon retour de Brest, je ferai un direct de pour immobiliser un peu. Il faut que je regarde. Il y aura les vacances de la Toussaint là. J'invite 10 personnes. 10 personnes. À me rejoindre à Paris pour une petite réunion privée. J'invite 10 braves, braves personnes, hommes comme femmes. Je vous invite. Donc, du coup, vous dites que je dois mettre la franche long ou court. Hein? Ça, ce n'est pas du... Je regarde dans la tête quand cela, je choisis une personne qui me paye la coiffure. Bam, bam. C'est ça qui est ça. Vous croyez que j'ai fini de commander? Profession. Commandeuse. Depuis, je vous ai laissé respirer, non?
Vous avez respiré depuis, non? Est-ce que depuis là, je vous ai embêté? Je veux savoir. Depuis là, moi, Maliba Perpétu, je vous ai embêté. Est-ce que je vous ai demandé quelque chose depuis? Depuis là, est-ce que j'ai fait que Allah Babi Allah, que s'il vous plaît, j'ai faim. Je reviens. J'ai dit, est-ce que depuis j'ai dérangé quelqu'un? Je vous ai dérangé depuis. Voilà. Donc, on a choisi une coiffure. Ah, je sais qui je vais appeler. Attendez. Attendez, attendez un peu. Attendez, attendez. Parce que là que tu as les enfants qui sont en mariage, tu souffres. Que c'est quoi? Je n'ai rien à foutre. Attendez. Comment? Les gens sont là. Depuis, je n'ai pas commandé. Je suis sage. Ça vous embête. Je lance. Il a rejeté. Il rejette mon appel. Attends, on relance encore. Tu es le beau fils. Rejette encore mon appel. Rejette encore ça. Tente encore de rejeter mon appel. Libre. Allô? 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 Oui, bonjour, ma belle-mère. Comment tu vas? Ça va, mon beau-fils. Vous avez entendu, non? Mon beau-fils. Ouais. J'ai une réception à Brest le 23. Voilà. Donc, ta belle-mère doit être bien coiffée. Les auditeurs ont dit que je dois faire la coupe, la franche. Et je leur ai dit que j'appelle mon beau-fils. La franche, hein? Oui, que je dois faire la franche. Ils ont choisi. Donc là, j'ai mis le téléphone. Chacun doit appeler pour dire ce que je dois faire sur ma tête. Et je leur ai dit que depuis, je n'ai pas dérangé. Donc là, je veux... J'ai dit que bon, attendez, je sais qui je vais appeler. J'ai dit bon, j'appelle directement mon beau-fils. Donc on a dit que je dois me coiffer, je dois me faire la franche. Mais pour aller, tu connais une coiffeuse qui peut te faire une franche, une jolie franche, non? Oui, mon beau-fils, c'est à Paris, non? Ben oui. Avec les radios, ouais, c'est la franche, c'est quand ton visage est un peu dégagé, un peu fermé, ouais, ça donne un style. Alors, c'est ça alors, c'est donc pour ça que j'étais appelé là. Envoyez le cœur. Voilà le mot que la TKC voulait écouter, vous avez compris maintenant. Tu es en direct, mon beau fils, j'étais mis en direct. Ah ouais. Je te jure, j'étais mis en direct. Quand je vous dis que j'ai les... mon beau-fils est valable, est-ce qu'il savait qu'il était en direct? Il se l'a demandé que ça coûte combien? Voilà! Est-ce qu'il savait? J'ai appelé devant vous, j'ai lancé le direct. J'ai lancé l'appel devant vous, non? Vous avez vu comment il était en train de regarder le numéro, non? J'ai appelé. Qu'est-ce qu'il a demandé? Ça coûte combien? Vous êtes là, vous parlez à qui? Vous parlez à la chancelière? Vous parlez à qui? Vous croyez que j'ai faim? Tu es en direct, ouais, mon beau-fils, je ne mens pas. Vrai, tu es en direct, ben je ouais. Te jure. Ok, ben, ça c'est pas. En tout cas, c'est un supplice, quoi. Voilà. Là, je suis à Bordeaux, là. Je suis à Bordeaux. Tu es à Bordeaux? Mon beau-fils. C'est monsieur Atarna, c'est lui qui est en direct, c'est lui, là, que vous écoutez. Je suis à Bordeaux, là. Comment tu es à Bordeaux? Ah oui, 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 oui. Oui, tu m'avais dit que tu allais à Bordeaux. Voilà. C'est vrai, non, c'est vrai, c'est bon. Ouais. Bon, on dit donc que je dois me coiffer, je dois faire la franche. Et il faut que je me coiffe au plus tard vendredi. Demain, c'est quoi, c'est mercredi? Demain, c'est mercredi. Ben, on te m'appelle alors après, tu me dis combien ça coûte. D'accord, mon beau-fils. Dis quand même bonjour à ma TKC. Dis bonjour. Bonjour à TKC. Voilà! Merci, mon beau-fils. Bonjour, voilà. Tu fais un bisou à ma fille là-bas, là. Ouais, elle est en formation, là. Moi, je profite pour faire.
Voilà. Mon beau-fils, je t'ai dit que samedi, je dois être belle. Normal, normal. Mais pour que Alors. tu sois Nyanga, Alors, ça vous se avez... fait. C'est ça qui est ça. Aïe. Forcément, ouais. Pour Voilà. que tu sois top. Voilà. C'est ça. Pour élever le niveau. Coca bisous. Merci pour les cœurs. C'est pour moi ou c'est pour mon beau-fils, les cœurs que tu as envoyés là. Parce qu'il y a beaucoup de cœurs là. C'est pour qui, le beau-fils ou c'est pour la mère? Oh, merci beaucoup pour les cœurs, merci. Bon, mon beau-fils. Ouais, tu m'appelles alors, non? D'accord, chérie, à tout à l'heure. Combien ça coûte, il n'y a pas de souci, ma belle. D'accord, bisous, à tout à l'heure, je D'accord. t'appelle. Après le Bisous, direct, je bisous. t'appelle. Ok, je suis là. J'attends D'accord. ton appel. D'accord, mon beau-fils. Vous avez compris, là? Allez, bisous, tout à l'heure. Bisous. Vous avez compris? Voilà. La coiffure est déjà gérée. On peut dire que la coiffure est déjà gérée. Ou bien, oui, la coiffure est déjà gérée. La coiffure est déjà gérée. Bon, on part où maintenant? L'habit? Oui, sur l'habit. On part sur l'habit. L'habit, moi j'ai une idée. Je vous donne une idée. Vous appelez, vous méditez. Moi j'ai une idée. J'ai envie de mettre une chemise, une belle chemise et un beau pantalon. Ça fait habillé, hein? Franchement, ça fait très habillé. Mais vous avez toujours, vous les Africains, vous êtes toujours robe de soirée, robe, 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 robe. Non, il faut casser un peu. Vous voyez un peu? Mettez un beau, une belle chemise, soit en soie, en tout cas une très belle chemise, hein? Une belle chemise, tu mets. Attends, la marque là s'appelait encore comment? Avant, j'avais les chemises de cette marque là. Vous voyez les marques, la marque là, non, les chemises, ils font des très belles chemises de femmes aussi. Et les cols sont un peu col V, col. Ils ont de très beaux cols. Oh, comment ça s'appelle? Pas la gaffe, non. Tu mets une belle chemise, un beau pantalon qui te tient bien. Ou, vous avez vu le pantalon de Mouriba que j'ai porté l'autre jour, par exemple, l'autre jour, non. Hein? Quand tu as un beau corps, profite. Vous avez vu le pantalon de Mouriba que j'ai porté? Vous avez vu que ça donnait sur moi gnat, comme si on avait dessiné ça sur moi. Hein? Voilà. Oh, Madame Eteke, je te fais des gros câlins comme ça. Je te sais. Voilà. Donc, là, maintenant, on est au niveau de la tenue. Parce que Brest, là, hein? La femme d'abord, même. Les filles de Brest, d'abord, c'est des sapeuses, hein? Donc, il faut même pas qu'on pas baisser la garde. Tu sais déjà que. Là, donc, t'attends que tu vas porter les robes de soirée. C'est un restaurant, c'est un dîner, en fait. Un dîner de réconciliation. Ce n'est pas une soirée de gala, un genre. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, un pantalon, ça peut aller avec. Donc, on choisit quoi? Appelez, alors, vous me dites pardon. Appelez, vous me voyez bien dans quoi? Un pantalon, smoking, quoi? La coiffure est déjà gérée. Moi, je me dis que la coiffure est gérée. Vous avez vu, on a géré la coiffure ensemble, là, tout de suite, là. Main levée, tac, tac. J'ai appelé mon beau-fils. Est-ce que je me suis entendu avec lui? Non. C'est pour ça qu'il dit souvent, quand il voit les gens ici, souvent, vous venez parler, bo, 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 bo. Vous parlez, mais à quoi bizarre? Parlez à qui? Il y a un nom événementiel, là. Voilà. Voilà. La coiffure est déjà gérée. Oui, mon bébé. Oui, mon bébé. Non, mais une robe. Tout le monde dit la robe. La robe, tu es souvent jolie en robe. Oui, tu es souvent belle en chemise. De toute façon, tu as un beau corps. Oui. Mais on veut te voir en robe. Une belle robe sexy là. Oh là là. Ça, c'est beaucoup de travail Tu encore, es là. Kim Kardashian. Donc, Faut je dois mettre mettre une une robe. robe. Voilà. Vous préférez une Une robe, belle hein? robe. Oui, une belle robe. Pas les robes longues. Une belle robe là. Courte. Toi-même, tu connais. Tu n'as plus besoin de te faire De un dessin. dessin. Oui, donc, une courte robe, c'est ce que vous... Voilà. Donc, vous voulez une courte Voilà, une robe belle jusqu'au robe. genou. Oui, une belle robe quoi. Sexy. Ah, Que tu sexy. nous montres, tu casses le malandola. Ok. Tu seras comme une poupée. Ok, bon, on va mettre une robe. Une Oui, une courte robe. robe. Bon. Une robe. Voilà. Oh, je continue le direct à suivre. Bisous. D'accord, tu me dis.
Bon. Oui, s'il y a quelque chose, je reviens. Oui, là, on est encore sur les robes. Aïe, Azabouama. Ah, qui? Robe. Donc, vous choisissez, vous préférez la robe, hein? Bon. Robe. Robe. Quand je regarde dans mes statues, je trouve qu'il y a un peu trop de robe, non? Moi, j'ai un penchant pour un beau pantalon sur mesure, un jarre, avec soit une belle chemise que j'enfile ou une longue jupe, par exemple, avec une grosse ceinture taille haute. Pourquoi pas? Il faut que j'aille un peu dans le magasin de ma copine. Chez l'habilleuse, là, je peux avoir quelque chose là-bas pour moi. Bon, ce qu'on va faire, hein, on a déjà la coiffure, c'est ce qu'on a dit, non, on a déjà la coiffure. On a déjà la coiffure, il nous faut la tenue. Bon, combien de personnes ont dit? Combien de personnes ont dit la robe? Combien de personnes ont dit la robe? Je vais vous mettre au travail. Parce que là, il y a une séance photo avec nos fans. Une séance photo. Et les filles de Brest, vous savez que la plupart des filles de Brest, elles sont mariées avec les Blancs, hein, avec les Bretons. Elles sont mariées avec les Bretons. Et elles ont le style sexy là-bas. Hein. Ça va être grave. Bon. Tipa. Il faut que j'appelle Tipa. Combien de personnes alors ont dit que robe? Et combien de personnes veulent que je me mette en pantalon? Parce que on va tourner les fesses là-bas. Hein. Moi, je suis en train de travailler, hein, madame. Moi, je travaille. Je travaille. M'assied. Là, c'est le boulot là maintenant qu'on est en train de faire. Donc, du coup, on a dit que. On fait la frange. Connais-tu encore les Indiennes, non? Voilà. Connais les Indiennes, donc je vais faire la frange. Elle a les mèches. Depuis, vous n'avez pas fait la recette à Canaël. Vous là. Vous n'avez pas fait vous n'avez pas fait la recette depuis. Ce n'est pas bien. Donc, moi, je dis, je dirais, pardon. Moi, je dirais. J'ai un penchant en fait, comme il fait froid. Bon, c'est vrai que maman, il y a une surprise. Il dit pas encore. On m'a dit que pas de trop, parce que on m'a dit que je n'ai pas de secret. Donc, il ferme là-haut ma bouche. On m'a dit que je n'ai pas de secret. Donc, il enlève le chargeur. On m'a dit que je n'ai pas de secret. Que toi, tu peux. Est-ce que tu peux un peu fermer souvent ta bouche? Je ne parle pas. Juste qu'on va me remettre les clés, non? Que je vais. Mais ça, je parle pas. On a dit que j'ai trop. Donc, combien de personnes alors? Vous êtes combien a dit que je mets la robe? Et vous êtes combien de personnes a dit que je mets le pantalon? Hein? J'ai vu une vidéo là, après on va parler de ça. Pour l'instant, c'est là où mon pointage, mon frère. On va parler des autres, des intrus là après. Vous avez dit que vous voulez être les blogueuses. Vous savez pas que. Nous, on a signé le pacte avec Zuckerberg. Et vous avez dit que Facebook, c'est. Il y a la sorcellerie dedans. Non, vous n'avez pas cru. Vous avez dit que vous venez danser dans Facebook. Maintenant, vous pleurez. Je vais m'occuper de ça après. Pour l'instant, on finit d'abord avec ma silhouette, mon habillement. Mon beau-fils a payé la coiffure. Maintenant, on dit qu'on est dans l'habillement. Combien de personnes ont dit. J'ai vu une de mes vidéos aujourd'hui où je disais que ouais, la personne se m'envoie les têtes de moi maintenant, pourquoi? Deux et trois font 23. Donc, le 23.
Donc, on s'est dit que j'étais en train de faire on dit quoi? Multiplication ou quoi? Vous vous rappelez le mariage de mon président? C'était le 23. Donc, je me dis que c'est bien écrit. 2 et 3, ça fait 23. Donc, le 23. Les teubeux, les bébêtes de la toile sont partis dire que j'ai dit que quoi? J'ai fait une. J'ai dit 2 plus 3 font 23. Quelqu'un peut calculer l'argent comme moi. Même si je ne connais rien là, le calcul là, tu ne me peux pas. Toi qui dis tout ça tout le temps là, tu ne me peux pas. Viens me tromper alors. Donne-moi l'argent alors que tu ne calcules pas ça bien. Non, je ne dis pas que vous écrivez robe, robe. Hein. Je dis en fait combien de personnes en fait, combien. Donc vous dites par exemple 10 personnes. Parce que là je vois vous avez mis robe. Vous avez écrit, je ne sais pas si c'est ce que vous avez fait. Je vois R-O-R-O. Donc ça veut dire robe, non? C'est ça. Ou bien. C'est ça. Donc, vous êtes sur les robes, vous toutes là. Ah. Vous n'êtes pas fatigué de me voir en robe. J'ai vu, donc, robe, on dit que qui m'achète la robe? La robe, on va dire. Non, vous n'avez pas encore dit. Vous n'avez pas encore décidé. J'ai vu la robe. Il y a combien de robes et combien de pantalons? Il y a combien de robes et combien de pantalons? Coquette, si tu es sur la robe, hein? Coquette, il y a combien de robes là? Ma coquette. Confirme. On confirme. On va confirmer. Dites-moi alors, dites-moi. Bon, je constate que tout le monde est sur la robe. Hein? Tout le monde dit robe là, apparemment. Bon, on va valider pour la robe. Bon, on valide pour la robe. Vous voulez une robe sexy? Allô, mon amour? Allô, mon cœur? Oui, allô. Oui, tu es en direct Ah, là. non, non, enlève-moi dans le direct, s'il te plaît. C'est la gars qui est photo fesse là. Je t'écoute, chérie. D'accord. Ok. Bon, toi, alors, toi qui es mon amour, tu valides de quoi? Ach. Ash. Ash. Jennifer Lopez. Bon, on va appeler quelqu'un qui va nous dire maintenant. Alors, le mot de. C'est lui qui va décider. Tu vas non. Tu vas là. On va appeler ton neveu. Ok. Là, c'est celle qui est forte aux fesses. Madame Eteke, elle a aussi validé. Pour la robe. Voilà, c'est bon. Ça ne veut pas dire que je ne. Attendez, j'espère que ce petit crevard, on va voir un peu le petit crevard, hein. On va aussi entendre ce que le petit crevard là va nous dire. Il doit être chez ça.
Il m'a appelé l'autre jour en vidéo. Il a une gamme malienne. Donc voilà, on a validé que je porte la robe. C'est validé, adjugé, vendu. Bon! On cherche maintenant le client pour la robe qui va nous payer la robe. On va chercher le client. Pourquoi je cherche encore le client même? Christian de Monaco, là où tu es là-bas en vacances, je ne sais pas dans quel pays là. Là, depuis là, tu fais que faire les tournées, 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 tournées là. Tu pars en vacances partout, partout là. Hein? Je m'adresse à toi. Là, je te clash même en direct. Christian de Monaco, quand tu pars partout là en vacances. Le cheval, le cheval. Allô? Allô? Oui, petit crevard. Coucou, tata. Petit crevard. Écoute-moi très bien, je vais t'insulter tout de suite. J'ai dit, hein. La fille que tu m'as appelée avec elle avant-hier, là, en vidéo, là, c'est qui? Ouais, tata, laisse seulement, tu veux pas savoir. C'est un dossier compliqué. Bon, il y a un dossier ici, là. Tu connais qu'il y a une soirée samedi. Yes. Bon, on est en train de décider que je dois porter quoi? La majorité disent que la robe. D'autres disent que un pantalon. Qu'est-ce que toi tu préfères? Le cabas, tu connais déjà. Un bon cabanyango. Y a quelqu'un qui m'envoie les têtes de mort. Hey! La personne qui m'envoie les têtes de mort, comment? Ah, balok. Mec, c'est ça qui le dit quand même, Un hein. bon cabas. Donc, le crevard dit qu'on met le cabas. C'est tout. Ça prend droit à laisser. Le cabas, c'est tout. Il n'y a pas autre chose que ça. Voilà. Donc, il a dit. Crevard. Il a dit qu'on met le cabas. J'ai fait Sinon, ton n'appelle Congo pas ma ça. faux. N'appelle pas ma faux. Pardon, ma faux, c'est ma tête, va aller mettre les robes Zazou. Si j'ai mal à Pipito. J'ai mal à Pipito. Comment tu as su que c'est elle que je vais appeler? On va la piéger aussi. Attends, elle appelle. Attends. D'accord, tata, tu Attends, elle appelle. Donc, tu as dit le m'envoies. Kamangondo, Le kaba, tata. Le kaba avec la coupe chinoise, ça va t'aller. Ah, d'accord. Ok. Bon, il m'a appelé. D'accord, tata. On a appelé aussi ma copine. On voit ce que ma copine va dire. Ok. Rien à toute. La coiffure est déjà payée. La coiffure est à payer. Donc, il faut que j'appelle ma coiffeuse. Et déjà, je lui dis que je pars jeudi. C'est mieux que je parte jeudi, non? C'est mieux que je me coiffe jeudi. Comme ça, mon visage sera déjà détendu. C'est mieux, j'ai dit. Attendez. C'est Christian de Monaco d'abord d'ailleurs qui va payer ça. Ma coiffure. Donc, non, pas ma coiffure, comment? Moi aussi. Finalement, je suis où? Mon beau-fils va payer ma coiffure. Christian de Monaco va payer ma robe. Ah, les ongles aussi alors. Hey, on a oublié qu'il y a les ongles aussi à faire. Oh. Chez la façonneuse de star. La façonneuse de star avait dit que mes ongles là-bas, c'est à vie. Attendez. Enlève mes lunettes alors. Son téléphone est ici, là. Celui avec lequel je t'ai parlé. Oh là là. Pas bon. Donc, vous avez dit que.
On est sur la robe. Ma voisine m'appelle. Pourquoi ma voisine m'appelle? Ma voisine ne sait pas qu'ils sont en direct. J'appelle Aurore Angoulasement pour les grands événements. Quand il y a un grand événement là, j'appelle Aurore Angoula. Il dit que là, tu dois mettre la main dans la pâte. Et mais, oui. Et Aurore Angoula me faraude souvent. Hein. Elle me faraude souvent. C'est vers ces fâches que je dis. Si je dis, tu me faraudes souvent. Il ne ment pas. Moi, il ne ment jamais. Aurore Angoula me faraude souvent. Aurore Angoula me faraude souvent. Qui encore? Ma voisine m'appelle. Peut-être parce qu'elle a commandé du poisson. Elle adore mon poisson. Je vais l'appeler au téléphone. Pourquoi ma voisine m'appelle? Vous savez que le deuil qu'il y a ici à Rouen, là, apparemment, c'est jeudi la veillée. C'est jeudi. La veillée, c'est jeudi. Les numéros là sont mélangés comme ça. En tout cas, vous avez dit que je porte la robe. On est calé sur la robe maintenant. On a cherché le client. Payer la robe. Le client, c'est Christian de Monaco. Est-ce qu'il aime là? Allez m'appeler Christian de Monaco là. Allez m'appeler Christian de Monaco. On dit que sa mère l'appelle ici. Comment? C'est quoi ça? Allez dire à Christian de Monaco que ta mère t'a appelé là-bas comme client. Que c'est toi qui payes la robe. Le beau-fils a déjà payé la coiffure. Donc lui, j'ai pris ce qui est difficile pour lui. Ce n'est pas difficile, la robe. Pourquoi est-ce que j'ai mon magasin là-bas? Attendez un peu. Attendez, quittez pas. J'ai ton numéro ici là. Dites à Christian de Monaco que j'ai dit que c'est lui qui va payer ma coiffe, ma robe. Donc j'ai à idiot. On dit que voilà, je disais que j'ai vu une vidéo tout à l'heure. Je suis un peu sérieuse là. J'ai fini de commander. J'ai déjà calé tout. Donc, on a calé que je porte la robe. La coiffure déjà, c'est déjà aussi choisi. Les chaussures, j'en ai plein de chaussures. On va pas encore aller dire qu'on peut aussi la chaussure, non? Quand même, j'ai des sacs, j'ai des chaussures. Hein?
J'ai vu une vidéo là tout à l'heure d'une celle que vous appelez que mes coucous. Mes coucous là. Elle était couchée, je ne sais pas si c'est une vieille vidéo. Attendez. Hein. Allô ma fille. Dis-moi un peu, Christian Monaco, va l'appeler. Dis-lui qu'il est ici, il est convoqué ici là, mon direct. Parce que c'est lui. On a fait déjà le tri. On a fait le tri. Donc on a dit que je me coiffe, que je dois mettre la frange pour Brest. Que je dois mettre la frange. J'ai appelé mon beau-fils. Il a validé déjà. Il paye ma coiffure. Maintenant, les filles ont dit que je dois payer. Je dois porter la robe. Tu vois. Donc ils sont en train de faire le njangi de l'habillement et de la coiffure. Donc j'ai à bouffer le njangi. Tu ris quoi? J'ai à bouffer le njangi de la coiffure. C'est mon beau-fils, monsieur Atangna, qui s'occupe de ça. Maintenant, là, les filles ont dit que d'emporter une mini-robe sexy, le goût de ça. Voilà. Maintenant, alors, j'ai cherché aussi le client. Je n'ai pas voulu trop chercher le client. Mon client que j'ai choisi, c'est Christian de Monaco. Il va dire que, yeah, maman, pépé, arrête aussi. Tu commandes déjà trop. Je commande seulement. Donc, je disais que tu l'appelles, tu dis qu'il est convoqué ici dans mon direct, que c'est lui qui m'habille pour le... C'est plus loin, hein. C'est samedi, oh. C'est samedi, sinon. C'est samedi, si. Donc, c'est lui qui paye la robe. Et les filles, pour le 23 qu'elle doit porter, donc je dois la voir déjà vendredi. Parce que là, mon beau-fils... m'a déjà demandé que tu vas aller te coiffer quand? Donc, je peux aller me coiffer jeudi. Voilà. Et faire les ongles en même temps. C'est ça qui est ça. Voilà. Donc, dis à Christian Monaco qu'il est convoqué ici, à la barre. Voilà. Dis ça. Voilà. Il est convoqué ici. Qui viennent comme j'ai dit que comme il est là, il va en vacances partout, partout, partout là, il mange l'argent partout là, hein? Oui, il mange l'argent là seul. Voilà, voilà mon fils là-bas là, voilà mon fils là-bas qu'on a dit que 1, 2, 3, 4 soleil, parce qu'on dit que nous passons le temps à commander au nom de Dieu. Vous les enfants, c'est le jour que vous tentez de me faire ça aussi que 1, 2, 3, 4 soleils, vous allez mettre l'île. Je vous punis. Ah bon, il va tenter de me dire ça. Je lui ai dit carrément que tu veux gagner l'argent. Il dit que oui, je veux l'argent, je veux l'argent. On dit que 1, 2, 3, 4 soleils. L'autre là-bas, la non-événementielle, la non-événementielle, elle, on lui a dit que, on a commandé quoi? Il m'a mis de Misunga, je crois. Et le poisson braisé. Elle était à l'école, elle est bête comme ses pieds. Il lui a dit que, payer avant d'être servi. Elle croyait qu'elle est trop wise. On lui a fait ça. J'avais appris ça, j'avais vu un direct où elle a fait un direct, elle pleurait que pourquoi vous me faites ça? Elle va se tuer sur Ngossa. Elle va se tuer tout sur Ngossa. La police vient au Ngossa. Les voisins tapent au Ngossa. Ah ah. Je souffre. Ne ris pas. À qui? Le jour que il n'y a pas de clients au Ngossa, moi là, moi je ne comprends plus rien. Donc c'est elle-même le seul dans le fait ça aussi, 1, 2, 3, 4 soleils. Les voisins partent, les voisins se plaignent que ses clients ne sont que les ivrognes comme elle. Elle pleure que Ngossa. C'est moi qui amène. C'est moi. Okay. On dit qu'ils se semblent, se ressemblent. Elle marche avec les alcooliques comme elle. Voilà.
Adama, quand on entend que comme je suis couché là maintenant, là, je baisse la couette, on voit mes seins. Mais Canel va me renier immédiatement. Naya. Aïe, Adama. C'est ça qui est ça. Hein? Donc, moi, je vais rester. Non. Voilà. Voilà que le jour là, c'était les pleurs. C'est Maléba. On a dit que Ngosa, Ngosa, Ngosa. Je ne te laisse pas. Ok. Il y a un examen sous. Est-ce qu'un examen n'y a sous? Parce que je ne comprends pas. Moins de choses, Ngosa. On a essayé de monopoliser la page. Ça n'a pas pris. On dit que c'est Ngosa. Si tu as les clients qui sont comme toi, parce que quelqu'un de normal ne peut pas aller s'asseoir, je sais, même si tu aimes l'animation, quelqu'un qui a tous ses sens ne peut pas aller s'asseoir avec la saleté comme ça. Alors, si tu vois déjà quelqu'un partir là-bas, c'est que la personne et cette personne se ressemble à 100%. Mais on vient parler de Ngosa. Est-ce qu'on voit Ngosa dans ce genre de merde là? Mais j'ai vu un moment aussi qu'elle faisait la pub d'une Jansan. Elle faisait la pub. Mais quand on fait la pub d'une Jansan, hein, on fait la pub, on montre tout. On montre les pieds. On montre tout. Mais le problème, c'est que, quelle est cette pub? Quelle est cette pub qu'on fait? On ne montre pas toutes les parties du corps. Et que, attends, si elle montre ses pieds, tu me donnes 100 euros. Yeah. Non, événementiel, pardon, montre tes pieds. Non, événementiel, montre tes pieds. Montre-nous tes pieds, j'ai un pointage de 100 euros. Ah! Non, événementiel. Voilà un défi qu'on me lance. Fais-moi pointer au nom de Dieu que tu me fais pointer ça, je t'envoie 50, on se partage. Fais un direct, montre tes pieds. Voilà ça qu'on a. Et là, c'est ma fille, elle ne mange jamais. Elle va envoyer, fais un direct, pardon, tu montes un peu tes pieds. Oh. Si tes pieds sont nets. Si tes pieds sont nets, hein, on se partage. Mais ce n'est pas que tu montes tes pieds, même si c'est ça le Kualangong, hein, non. Montre tes pieds que... Voilà. On envoie la PCS. Voilà, on envoie la PCS. Voilà, si tu me fais rater l'agence, je te clash demain. Voilà ce que je t'ai dit. J'ai dit à non événementiel, si tu ne me fais rater les 100 euros aussi, parce que là, je suis d'abord couché, je suis une game jusqu'à le feu sort. Donc, si tu me fais rater ça, je me fâche. Quoi? Non, elle ne peut pas nous faire rater ça, mon frère, ma copine. Hey, c'est ma co. Non, événementiel. Hein. Non, événementiel. Elle a dit que elle ne va jamais me laisser. Que je ne vais pas aller à 100 millimètres. Elle dit que je ne vais pas aller à 100 millimètres. Tu as vu les autochtones de Sarmelima, comment ils sont grands, non? Elles sont grandes, non? Tu as vu l'autre jour, non? Les autochtones de Sarmelima sont grands. Les gens de Sarmelima sont grands. Moi, je connais j'ai des fans qui sont de Sarmelima. Elles sont grandes. Quand vous voyez quelqu'un de petite taille à Sarmelima, vous savez qu'à Sarmelima, à côté, là, il y a des pygmées. Donc, vous savez que moi, je n'invente pas des choses. Moi, je n'invente pas. Vous avez vu la femme du président Raymond Tchengang, non? Elle est grande. Elle n'est pas petite. Elle me dépasse en taille, la femme de Raymond Tchengang. Elle me dépasse en taille. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui vient de petite taille, là, regardez bien. Vous connaissez les nains. Vous connaissez les pygmées. Regardez les doigts. Vous regardez les pieds. C'est placé par terre comme ça, la tape. Ça, c'est les pieds, les noms événementiels. Vous voyez, non? Ça. C'est les pygmées. Vous voyez, non? Hein? Parce que je vous ai dit, regardez, là, vous riez, la matière même est grande de taille. La matière de non-événementiel est grande de taille. Oui? La matière de non-événementiel est grande de taille. C'est que comme elle était partie là-bas chez les pygmées, pour vouloir attacher le beau-père de mon président, tu vois, parce qu'elle s'est mariée avec
le commandant. Le commandant était le beau-père du président, Raymond Tchengan. Tu vois, non, je te raconte l'histoire. Parce que même hier, tu m'as demandé encore de te raconter un peu bien l'histoire. Je te raconte ça aujourd'hui maintenant, en live. Le président Raymond Tchengan, sa femme, hein, c'est son père qui était le commandant, hein, qui a rencontré une femme qui est la mère de non-événementiel. Non-événementiel maintenant, sa mère vient en mariage avec non-événementiel déjà. Donc, quand elle partait voir les pygmées, pour que les pygmées lui donnent un vrai homme, un vrai gars, c'est là que le pygmée a d'abord Nias et non-événementiel est né. Tu vois, non? Voilà. Parce que les enfants de cet homme-là sont clairs. Regarde la femme du président Raymond Tchengan. Elle est claire de peau. Tu as compris? Hein? Et elle n'est pas une ivrogne. Elle n'est pas une ivrogne. C'est pour ça. Ils n'ont pas de lien de parenté. Ils n'ont pas le lien de sang. Tu vois un peu, non? Voilà. C'est pour ça donc que tu vois non événementiel est échoté. Parce que sa mère a fait le mouna avec un pygmée. Et c'était les pygmées qui sont à côté de Sambelima. Tu vois un peu, non? Voilà. Parce que moi j'ai des fans qui sont de Sambelima. Toutes sont grandes de taille. Mais à côté, il y a les Djoum, il y a les machins, les villages à côté là. Hein? Voilà. Ils ne sont pas. Voilà. C'est pour ça qu'elle a donc appris. C'est pour ça qu'elle a donc appris ce qu'on appelle la voyance. C'est son grand-père. C'est son père qui l'a appris ça. Voilà. C'est son père. Parce que son père était un voyant. Voilà. Oui. Voilà. C'est les pygmées de là-bas. Non, elle n'est pas pygmée. Elle n'est pas pygmée de Sambelima. Elle est venue seulement s'intégrer là-bas. Voilà, c'est ça qui est ça. Regarde. Demande-lui un jour de montrer ses 5 doigts de la main. Ses 5 doigts de la main. Il y a un là que c'est vraiment handicapé, c'est court vraiment. Voilà. Uh-huh. J'attrape la personne qui m'envoie les têtes de moi. Elle a mis un commentaire. Maman, j'attrape. Il y a comment j'attrape ça. Elle a un cœur là. Tac. Yesh. Au goût de ça. Yesh. J'ai cassé le cou. Mais moi, j'ai attrapé le cou. Moi, j'ai attrapé ça. Elle a mis 2 étoiles. J'ai attrapé, elle a envoyé les cœurs. Et maman, j'aime quand elle casse le cou de quelqu'un comme ça. Va guetter. Va guetter tout à l'heure. Voilà. Donc, Christian de Monaco, on a décidé. Voilà encore l'autre qui envoie. Attends, va regarder là-bas, là. Tu appuies le cou. J'ai appuyé le cou d'une personne. Va aussi regarder, tu appuies. C'est le nain, c'est la nain là qui est en train d'envoyer ça. Va appuyer le cou tout à l'heure. Pourquoi ça vous fait mal quand on est en train de causer? Non, on cause, hein. Nous, on n'est pas dans les histoires-là. Nous sommes en train de causer.
Donc, c'est un peu ça, quoi. Voilà, donc on a validé que... Et... On a validé que je mets la robe. Et c'est Christian de Monaco qui doit m'offrir cette robe-là. Qui va faire ce voyage. Il fait les voyages tout le temps. Tout le temps, il part en vacances, là. Tout le temps, il est en vacances. Tout le temps, il est en vacances. Pourquoi? Hein? Voilà, donc on parlait de la dame tout à l'heure. J'étais en train de parler de ça. J'ai vu la dame... Elle était couchée sur les bancs publics, là. Celle que vous appelez là que mes coucous. Ça m'a tiqué un peu, ça m'a fait bizarre. Ouais, non. J'ai dit que, pourquoi la femme si est comme ça? Elle avait déjà trop pleuré. Elle m'a fait de la peine. Vraiment, elle m'a fait de la peine, mais pour dire la vérité, vous blaguez avec l'arme qu'on appelle Facebook. C'est une arme fatale, Facebook. J'ai vu la dame là ici, ses débuts, j'avais vu ses débuts ici. Elle s'amusait bien avec ses enfants. Elle disait toujours, mes coucou, viens saluer, viens faire comme ça, venez saluer mes amis. Elle dansait. La première fois que j'ai vu d'abord Langa, elle portait d'abord un calé, un gros calé, un jarre. Je ne sais pas si c'était le buzz. Je ne sais pas ce que c'était. Mais, ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas être une mère d'enfants qui sont encore, tes enfants sont encore mineurs. Parce que la non-événementielle, si ses enfants étaient encore mineurs, elle pouvait avoir le même problème. Parce que c'est être irresponsable d'avoir des enfants mineurs, venir te pavaner sur la toile. Te mettre à moitié nu, soi-disant, tu fais rigoler les gens. Et les gens t'encouragent. Maintenant, de ça, tu es en train de pleurer toute seule. On t'a enlevé tes enfants. Si c'est vrai même. Si c'est même vrai. Parce que non, moi, j'ai vu toutes les qualités ici sur les réseaux là. Les gens qui viennent demander la compassion, parfois, où il n'en faut même pas. Parce que je vois, elle pleure. Elle dit, mes coucou. Et pas se coucher. Vraiment, il faut être insensible pour ne pas être choqué. Quand vous voyez comment est-ce qu'elle va se coucher comme ça, là. Une mère, comme moi, je vois ça, j'ai mal. J'ai mal de voir que on a enlevé les enfants à une maman. Nous, on va se dire, les gens sont méchants, pourquoi on lui a enlevé ses enfants? Avec ces genres de personnes, les enfants sont en danger. Ça, c'est un danger pour ses enfants. Parce que nous, on voit ce qu'on voit là, qu'on vient voir les gens, ils dansent à moitié nu sur la toile. La toile n'est pas faite pour ça. On veut bien animer la galerie, mais il y a des façons d'animer la galerie. Et vous venez sur les réseaux, vous oubliez que les réseaux, c'est une arme qui détruit. Je vous ai toujours dit que les réseaux, soit tu gagnes, soit tu perds. Comme ça te met en haut, comme ça te met en bas. Les réseaux, c'est les États-Unis, c'est la mafia. On peut te donner une visibilité là sur les réseaux. Après, du jour au lendemain, on dit, toi, tu es fini. La visibilité, c'est fini, c'est fini. Au point où tu vas m'aller acheter même les vues, là, même tu n'en auras pas. Oui. Tu ne peux pas avoir des enfants mineurs. Tu viens sur la toile, tu commences à dire... Tu as sorti ton concept, mais coucou. C'est beau. C'est tes concepts, c'est ton concept. Tout le monde sait maintenant, quand on parle que mais coucou, on sait d'où ça vient. C'est toi qui as sorti un concept. Mais maintenant, tu vas venir te mettre avec le caleçon. Fais genre, tu n'es pas très normal. Moi, j'ai des gens qui te connaissent. Tu es une artiste à la base. Tu es une artiste à la base. Tu fais de la musique à la base. Parce que moi, on m'a montré tes photos. Tu es une belle femme. Respectueuse. On va dire là maintenant que c'est une dépression. Non. Il y a des...
La dépression ne va pas venir te faire venir sur les réseaux. Si là, je vous ai souvent dit, les réseaux suivent ça. Vous l'avez vu, non? On avait notre soeur ici là. Elle a déprimé ici en direct. En direct, elle a déprimé. Elle a commencé à clasher, même les têtes cassées. Clasher même la, le couple médecin. Alors que c'était, nous étions une famille avec elle. Facebook a fait la péter les câbles. Voilà aussi mes coucous maintenant. Je vois, elle est couchée sur les bancs publics. Elle pleure. Qu'on a dit que ses enfants... Je n'ai pas voulu tout voir. Parce que moi, j'ai dit que ça, c'est de la folie. J'ai seulement suivi comment elle a dit que... On a dit que je suis venu vendre ce quoi-là sur la toile et que mes enfants ont fait que... Et vous allez nous insulter que nous n'avons pas accouché. Vous avez donc accouché. Protégez donc ces enfants-là, vous ne les protégez pas. Au contraire, vous les affichez, vous les souillez. Vous souillez vos enfants. Vous êtes les premiers à dire qu'on a les ventres muets. Vous avez accouché. Vous avez donc accouché. Vous croyez que vos enfants là sont fiers de vous? Vos enfants sont fiers de vous. Quel enfant qui a tous ses sens, même si on dit souvent qu'une mère, c'est une mère, même si elle est folle. Non. Quand tu sais que ta mère a tous ses sens et qu'elle veut devenir folle pour soi-disant amuser des tierces personnes, c'est du n'importe quoi. Normalement, Facebook, je vais contacter Zuckerberg. Les gens comme vous, on doit vous bannir des réseaux parce que vous n'amenez rien d'instructif, rien de bon pour des gens comme les nous là qui n'avons rien dans la tête. Nous, on a besoin d'apprendre. On a besoin que vous nous amenez de nouveaux dossiers. Attendez, peut-être c'est mon client pour la robe. Allô? Oui, chérie. Oui, chérie. Oui, je n'étais pas connectée. Je n'étais pas connectée. Le téléphone l'a dérangé. J'ai même perdu l'argent même. Alors que je suis foirée jusqu'à... Oui. Mais je croyais que tu m'as dit que tu devais passer la commande. Et dans ta commande, je devais te mettre ça dedans. Tu veux comme... Tu as vu mon teint maintenant? Tu as vu le teint que j'ai maintenant? Voilà. On ne dose pas là-bas. J'ai déjà vu. Non, les graines de riz, les graines de riz, il y a le produit pour enlever ça. Quand tu vois, tu utilises la crème et que tu as les graines de riz qui commencent à sortir, ça veut dire qu'il y a un produit dans ta crème qui ne va pas avec toi. Donc, il y a le produit pour les graines de riz là que tu mets dans ta crème et tu oins aussi. Ça sort au-dessus de tes pieds ou sur tes bras. Sur les pieds. Voilà. Donc, tu mets, quand tu te oins, avant de te oins, tu mets le produit là d'abord sur tes pieds et tu mets l'autre dans ta crème. Voilà. Donc, quand tu vas passer ta commande, dans ta commande, je vais t'envoyer ça dedans. Donc, passe ta commande avant samedi parce que samedi, je suis dans le Njoka. Donc, demain. Oui. Oui, elle est là. Elle est là. Tu veux quoi? Le 500. Bon. Bon. Oui, si tu prends le 300. Tu prends le 300 avec deux quintaux, c'est 200. Avec deux quintaux, je vends un quinto à 50 euros. Donc là, tu vas avoir beaucoup. Et non seulement le truc du grain de riz, je t'offre ça. Je ne te vends pas ça, je t'offre. Oui, c'est rien. Rien. Ok. Et tu me laisses un voice. Tu précises deux quintaux.
Ok, et tu précises hein, que deux quintaux. Voilà. Non, comme ce que je mets maintenant. Ok, chérie. On dit à demain, un bisou. D'accord, il n'y a pas de souci. Bisous. Merci. Merci. C'était un anniversaire. Merci. Merci. Bisous, bisous, merci. À bientôt. Vous voyez un peu. Donc, quand vous voyez une mère d'enfant qui vient sur les réseaux, refuse pas, moi je danse souvent, non? On peut délirer, mais avec un peu de tenue quand même. On ne peut pas venir sur les réseaux comme ça. Attendez, je coupe même ça, je relance, on parle d'elle. Je viens sur elle.